sociaux. C'est avec indignation que je viens de voir l'arrestation du gouverneur honoraire de la province du Congo central. Quelle que soit l'infraction, la personne humaine, tant qu'elle est présumée innocente, a droit au respect de sa vie. On ne peut pas conduire un ex-représentant du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'acheminer dans n'importe quel endroit, à pied, au su et au vu de tout le monde, dès lors que la République et la police ont les moyens et les véhicules d'acheminer n'importe quelle personne qui a un problème avec la justice. En tant que né Congo, descendant de Fumusimo Kimbangu, nous ne pouvons accepter aucunement cette humiliation que nous venons de subir. Quel que soit le tort, nous avons vu des assassins, nous avons vu des gens qui ont trahi la République, mais jamais nous les avons vus ainsi acheminés vers un parquet ou bien un centre de police à pied, au su et au vu de tout le monde. Nous nous rendons compte que cette humiliation, elle est pour tout le peuple né Congo. Ne livrez jamais, n'acceptez jamais qu'un de notre futur que nous soyons au Congo, que nous puissions être humiliés de la sorte. C'est inacceptable. Population Siniki, arrestation Mouta Malgué, va libérer. Population Siniki. Ça va là, papa. Ça va là. Ça va là.